Donc nous commençons à 37 et on y va. Alors donc, c'est un sujet que je n'ai pas choisi, qu'a choisi Hassan, que souvent dans nos discussions, il dit vous êtes sympa, mais vous avez toujours des prélèvements bactériaux positifs. Nous, dans plein de situations, nous n'avons pas de prélèvement. Et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas de prélèvement positif? Et à partir de ça, bon, alors mes liens d'intérêt, vous savez, on a l'habitude de présenter des liens d'intérêt. Alors d'habitude, on pense liens d'intérêt avec l'industrie. Bon, je connais tous les laboratoires de vaccins, j'en ai aucun dans les antibiotiques, mais j'ai un lien d'intérêt majeur, c'est que je vais vous résumer ma vie en 30 minutes. D'accord ? Alors, l'autre chose, je vais vous faire voter tout de suite. Alors, oubliez le Maroc, les rois marocains, etc. Je ne vous ai pas mis dans le choix. À votre avis, quels sont les hommes ou les femmes politiques qui ont, à votre sens, le plus influencé positivement dans le monde le XXe siècle ? J'ai pris que du XXe siècle. Alors, qui vote pour Charles de Gaulle ? Qui vote pour JFK ? John Fitzgerald Kennedy ? Personne. Qui vote pour Churchill ? Et qui vote pour Irina Gandhi ? Une fois de plus, le grand parti, c'est celui de l'abstention. Il y a plus de gens qui sont abstenus. Alors, de toute façon, ce que vous pensez, je m'en fous, je suis autoritaire. Et je pense que c'est Churchill, parce que c'est vraiment lui qui a arrêté le nazisme, et c'était le seul à résister, et il était tout seul. Les Français, ils étaient out, les Américains, ils ne voulaient pas rentrer... les Italiens, etc. Bon, alors une fois que je vous ai dit que c'était un homme important, je vais revenir à une phrase de Churchill. Alors, dans le contexte politique actuel, c'est très intéressant. Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait et faisait ça auprès du contribuable. Donc, voilà. Alors maintenant, pour entrer dans le sujet, tout ce que je vais vous dire est accessible sur des documents, le guide d'antibiothérapie marocain et puis deux guides d'antibiothérapie français qui sont en anglais, parce que si on veut avoir une reconnaissance internationale sur qu'est-ce qui se passe en France, il faut l'écrire en anglais, parce que sinon c'est pas dans PubMed, vous pouvez pas le trouver. Et puis le même texte en introduction. Ce que je veux vous dire, c'est on s'est battu, bon, pas trop d'ailleurs, on a vite convaincu les gens, pour que ces documents soit en accès libre et gratuit pour tout le monde. D'accord ? Alors, on va arriver au centre du sujet. Mais comment prescrire un antibiotique dans une situation un peu difficile ? On est à la Spurnep, plutôt dans un contexte d'urgence, d'hospitalisation, etc. La première chose qu'il faut déterminer, c'est la porte d'entrée ou la localisation. Porte d'entrée et localisation, c'est pas la même chose. D'accord ? Pourquoi ça ? Parce que les bactéries, elles ne sont pas multipotentes. Il y en a qui sont dans les écosystèmes digestifs, dans les écosystèmes rhinopharyngés et dans les écosystèmes cutanés. Et une bactérie qui donne une porte à partir d'une porte d'entrée, elles sont extrêmement limitées. Ce n'est pas toujours des germes qui sont en permanence. Par exemple, le streptoa, tout le monde ne porte pas le streptoa. Bon. Mais elle est quand même souvent présente chez des gens sains, d'accord ? Et à partir de cette porte d'entrée de la localisation secondaire, une ostéomyélite, sauf si elle survient à la suite d'un traumatisme ou d'une plaie, c'est toujours une localisation secondaire. Il n'y a pas de microbes dans l'os. Quand vous avez une méningite, c'est pareil, c'est une localisation secondaire. Et je ne vous parle pas de l'endocardite. Ça, c'est essentiel, d'accord ? Parce que c'est elle qui va le plus vous déterminer l'épidémiologie bactérienne que vous devez viser. Mais il y a aussi l'âge. Vous savez bien que notre raisonnement de pédiatre est une grosse différence que nous pouvons avoir par rapport aux médecins généralistes. C'est de dire, on sait qu'à chaque âge, qu'est-ce qu'on risque ? Le nouveau-né, c'est le nouveau-né. Le moins de 3 mois, c'est le moins de 3 mois. Le 3 mois, 2 ans, c'est le 3 mois, 2 ans. Et après, l'adolescent, c'est l'adolescent. Ça, alors, je ne vais pas parler de sujet d'immunodépression parce que tout seul, on aurait pu faire un topo sur les immunodépressions et les germes qu'on retrouve dans les immunodépressions en fonction de l'immunodépression. Bien entendu,
une infection communautaire n'a rien à voir avec une infection associée aux soins. Ça change complètement l'épidémiologie. La gravité aussi est très importante à considérer pour deux raisons. Tous les germes ne sont pas capables d'entraîner un sepsis. Je ne vais pas plus parler du sepsis parce que Olivier Clarisse parle de ça après. Donc, premièrement et deuxièmement, absolument essentiel, vous savez, dans la topo précédente, les infections néonatales, c'est tout grave. Non, c'est potentiellement grave. Par contre, quand il y a un sepsis, quand il y a des troubles hémodynamiques, c'est une vraie urgence. Le retard de chaque heure de prescription entraîne une mortalité plus importante. La résistance aux antibiotiques, elle est très, très, très importante d'un pays à l'autre, d'accord ? Et les données que fournit au fur et à mesure la SOMIPEV par des travaux collaboratifs est essentielle pour le Maroc. Tu vois, je pense vraiment que les études de résistance dans un pays sont encore plus importantes que les études de germes responsables. Parce que finalement, les germes responsables sont ceux de l'espèce humaine. On ne va pas changer beaucoup. Par contre, la résistance, qu'est-ce qu'elle peut varier ? Elle guide tellement. Alors, il y a un sujet classique, c'est la diffusion des antibiotiques in situ. Mais en fait, pour vous dire la vérité, on s'en contrefout, sauf dans trois situations. Le LCR, l'œil et les infections osseuses chronique. Une ostéomyélite, avec l'inflammation, les antibiotiques diffusent bien. Et ce qui compte le plus, c'est la concentration sérique d'antibiotiques. Même la plaie, on va revenir. Alors, tout ça veut dire, moi, tous les topos que je fais en anglais sur le sujet, c'est que, avant de commencer un antibiotique, il faut dire, je vais nommer le et la bactérie que je vise. Si je ne suis pas capable de nommer le ou la bactérie que je vise, il y a beaucoup de chances que je tape à côté. Donc, on a fait tout ça. Alors, ce sujet-là est un sujet qui... Oh, il n'est pas pour vous dédouaner, hein, mais quand on voit ce papier, il est sorti il y a quelques jours. Hein, ils ont regardé les enfants qui ont été hospitalisés pour sepsis hein, dans les hôpitaux américains. C'est plusieurs dizaines de milliers de patients. Le sepsis, c'est grave. Je veux mettre la ceinture et les bretelles. Je veux prescrire vite. Et 63% d'augmentation des antibiotiques à large spectre au fur et à mesure des années, sans que ça soit justifié, parce que la résistance pour ces germes-là n'a pas monté. Donc on voit bien qu'il faut résister à cette tendance qui dit « Ah, il va pas bien, on va être obligé de mettre de la réflexion dans tout ça. » Un deuxième point qui est absolument crucial, il faut que vous ayez bien en tête que tous les antibiotiques n'ont pas le même impact écologique. Il y a des antibiotiques qui ont très peu d'impact écologique. Il ne faut pas en prescrire tôt, mais ça n'a pas la même conséquence sur le malade ou sur l'unité de réanimation. Ça n'a pas la conséquence que les autres. Ce qui pose assez peu de problèmes écologiques, c'est l'amoxicilline, les macrolides hors azithromycine, les cotrimoxazoles, les CNG, c'est discuté, hein, et les aminosides. Alors, les aminosides, c'est un spectre large. Pourquoi ça passe ? Parce que ça ne passe pas dans le tube digestif. Donc, vous pouvez prendre 10 jours d'aminosides, vous regardez la flore, il n'y a pas beaucoup de changements, s'il est en monothérapie, et on va voir pourquoi, d'accord ? Et puis derrière, il y a des antibiotiques qu'il faut hésiter, qui sont dits critiques. En ville, amoxicilline, azithromycine, C3G, très 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 sélectionnant de BLSE, pipetazobactam, quinolone, très sélectionnant. Et puis la troisième ligne, à l'hôpital, qu'il faut limiter, vancodaptorifan. Et puis les plus embêtants, c'est les PNM et les nouveaux antigrammes moins. Donc on va essayer, en gardant un haut niveau de sécurité, que limiter la prescription de ces situations. Alors, deuxième papier qui est sorti il y a quelques jours, on sait très bien, en pleine nuit, il est en sepsis, je ne sais pas d'où ça part, je vais commencer par un PNM. Bon. Mais est-ce que la désescalade a un intérêt pour le patient ? La réponse, elle est oui.
si le lendemain, 48, 72 heures, on a mieux analysé la situation, on a isolé un germe, ça modifie la résistance bactérienne de passer à ça. Donc on a ces deux idées importantes qui est, on va éviter, mais quand bien même on a été en conduit à prescrire une antibiothérapie à large spectre, la désescalade rapide, 24, 48 heures, avec des seniors, en analysant la situation, parce que ce n'est pas toujours facile, a un effet sur l'évolution des résistances bactériennes. Alors, une fois que je vous ai fait cette courte introduction, on va rentrer dans des situations cliniques que vous connaissez, et c'est là où on va se mettre à discuter. Bon. Alors, tout bien, tout honneur, une pneumonie, 42 fièvres, 3 ans, il a une douleur thoracique, bon, bref, d'accord ? Tout le monde connaît l'épidémiologie bactérienne de la pneumonie. Ça s'est affiné encore ces dernières années grâce aux différentes techniques. Bien sûr, c'est le pneumocoque, après Mycoplasma pneumoniae. On avait oublié Mycoplasma pneumoniae avant la grande épidémie de 2023-2024, d'accord ? Mais il y a aussi des pneumonies à streptocoque du groupe 1, mais ça ne change rien à votre antibiothérapie. C'est la même sensibilité aux antibiotiques. Et il y a aussi du méningocoque. Il y a les nouveaux méningocoques peuvent donner des pneumonies. On en a isolé pas mal. Mais là encore, ça ne change rien. Même s'ils ont une sensibilité diminuée à la MOX, autant ça passe un problème dans le RCR, autant ça ne pose pas de problème dans le LCR. Et puis, quand le staphylocoque aureus, s'il n'y a pas des critères de bulles ou de pleurésie, on ne tient pas en compte dans le choix. Donc, le traitement, il est clair. C'est l'amoxicilline. Jusqu'à présent, dans les pneumonies, 97% des souches, j'ai dit dans les pneumonies, on viendra sur ce point-là après, est sensible. Les traitements courts, ça marche 5 jours, parce que quand on peut faire un traitement court, il faut faire un traitement court, d'accord ? Et c'est une allergie, surtout pas une céphalosporine orale. Surtout pas. Elle marche très mal sur le pneumocoque. C'est la ceftriaxone, d'accord ? Si échec de traitement, il ne va pas améliorer macrolide. Et quand c'est une forme hypoxémante, réanimatoire ou proche de la réanimation, il ne faut pas hésiter à ajouter un macrolide. On a eu beaucoup de mycoplasmes graves. Donc, c'est grave. Et puis après, on fait le point. Non, ça, c'est pas ça, 48 ou 72 heures. C'est une situation, si tu permets, Robert. Mais on est là pour ça. Tout à fait. Les formes graves en réa, c'est là on est autorisé à faire la bithérapie d'emblée. L'association amoxicilline-macrolide d'emblée. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, je crois que tout le monde est confortable avec ces situations. Oui. Moi, je dirais... Je dirais un message que je rajoute, éviter les céphalosporines de troisième génération orale dans les pneumonies. Parce que le coefficient inhibiteur, d'accord, il est trop bas, d'accord, pour le cifixime, ça ne marche pas dans les infections respiratoires basses. Ouais. En dehors des formes graves, on pourrait ajouter les formes qui ne s'améliorent pas. On pourrait ajouter un macrolide. Ouais. Les formes qui ne s'améliorent pas, bien sûr, la première des choses, avant de changer, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'empyème. Absolument. Voilà. Et comme l'a dit pour les données Robert, c'est qu'il y avait au stade Assora un autre microbiologiste à Marrakech, il nous dit toujours qu'il n'y a pas de problème de sensibilité, de résistance de pneumo au niveau des pneumonies. Donc ne vous inquiétez pas, il faut juste augmenter la dose de la mais 100 mg kilo, c'est bien. Hein. Exactement, exactement. C'est bien pour ça. Alors donc, vous voyez, ensuite, en raisonnement, ouais. Ici, c'est une pneumonie franche aiguë, lobe inférieur gauche. Nommer la bactérie, c'est le pneumocoque en premier, la bactérie cible. Le traitement, c'est amoxicilline 100 mg kilo en ambulatoire. Peros. Absolument. On donc, peut voyez... hospitaliser, mais c'est... Péros, ça marche très bien. On a défini une situation que tout le monde connaît. Comme ça, on va avancer sur toutes ces situations. Moi, ce qui m'inquiète, c'est 5 jours. Alors, les 5 jours, Abid, on est maintenant à une vingtaine de publications chez l'adulte. Si on
passer à 3 jours, d'accord ? Et chez l'enfant, il y a au moins 4 ou 5 publications en 5 jours versus 10 jours avec l'Amox. D'ailleurs, Robert, la tendance actuelle, dans les différents sites infectieux, tu vas en parler, c'est de réduire la durée de l'antibiothérapie. Voilà. Alors, donc, on passe une deuxième situation que vous... si je voudrais insister sur deux choses. Dans les pneumonies aujourd'hui, il y a quand même deux choses pour guider le choix. L'échographie pulmonaire. Je vous signale que l'échographie pulmonaire qui est en haut, qui se branche sur l'iPhone, il coûte 1 000 €. D'accord ? Et ça permet des diagnostics encore plus... La sensibilité est moins bonne et meilleure que la radio. Parce que vous savez que la radio, des fois, comme chacun sait, c'est pas toujours facile. D'accord ? Et franchement, avec une journée de formation, si on s'y met, on est bon. Et le deuxième, est-ce que quelqu'un a déjà vu dans la salle une pneumonie à pneumocoque identifiée qui avait la CRP normale à 36 heures ? Never. 36 heures. Ah. Je t'ai parlé de pneumocoque. Ne détourne pas la... Justement, quand elle est basse... Alors, il faut faire attention parce que le mycoplasme fait de temps en temps monter la CRP, mais le plus souvent, elle est basse. Donc, voilà, on a quand même des outils pour guider la bactériologie. C'était dans ce sens-là que je voulais utiliser ce point-là. Et puis, là encore, on va tomber sur une situation que vous connaissez très bien, mais qui a complètement changé. Hein ? Avant, quand on avait une pleurésie, rappelle-toi, Abid, on avait 15-20% de prélèvements positifs, surtout du pneumo, d'accord ? Et quand on s'est mis à faire de la PCR, on a vu qu'il y avait 70% de pneumo, d'accord ? Et classiquement, un peu de streptoa, un peu de staphylocoque, un peu de mycoplasme. Mais le fait que nos enfants sont vaccinés contre le pneumocoque, ça a complètement changé l'épidémiologie. Et aujourd'hui, dans les endroits où on peut faire le plus de diagnostics, un tiers pneumo, un tiers streptoa, un tiers staphylococcus aureus. Donc, avant, on visait le pneumocoque. Là, le changement épidémiologique, on en traite moins, mais c'est avec de l'amoxiclave, bien entendu, en fonction de l'épidémiologie, de la résistance locale. Et alors, ce qui est très, très important, c'est là encore... Et tout à l'heure, j'ai vu une petite bêtise, mais je ne donnerai pas de nom. Et vous avez vu ici, si allergie, c'est cephotaxime. Est-ce que j'ai marqué ceftriaxone ? Parce que je ne sais pas faire la différence entre les deux, vous pensez ? Hein ? Non. Pourquoi ? C'est parce que sur le staph aureus, autant sur le pneumocoque, sur le streptoa, c'est pareil, sur le staph aureus, le claforan est bien meilleur que la ceftriaxone en termes de pharmacocinétique, pharmacodynamique. Et il est plus bactéricide, mais si on pense au staph, surtout vers 2 ans, 13 ans, il y a souvent un petit pic de staph. Je pense que l'aminosidon, moins pendant les 2 premiers jours, alors, ou les 48 honnêtement, heures... Honnêtement, vous verrez que je mettrai quasiment plus d'aminosides. Ouais. Parce que sur le, aujourd'hui, quand on a un germe sensible, on va pouvoir les alternatives derrière. Hein, d'accord ? Alors... Je suis dans une région où il y a du staph aureus métière. D'accord ? Les derniers prélèvements que j'ai eus, c'est métière, je suis inquiet. Je n'ai pas encore. Ouais. Bon. Il ne faut pas arrêter l'augmentin. Il faut rajouter l'avanco. Parce que si vous avez un staph métière et vous mettez que et qu'il est métiès, vous ne savez pas. Vous êtes suspect. Vous entraînez une perte de chance au malade. Parce qu'il n'y a rien de mieux qui marche mieux sur les bêta-lactamines que la bêta-lactamine. Donc, je suis sûr que c'est du staph métière. Allons-y d'avant-cours. Je ne suis pas sûr, j'ai un doute. Je maintiens la bêta-lactamine active contre le staphylocoque. Alors, ici, quand il y a un épanchement, c'est pas comme la pneumonie simple. La pyrexie, ça se fait dans les 48-72 heures, même dans les 24 heures. Quand il y a du liquide, la pyrexie et l'enfant reste fébrile, voire une semaine, voire plus d'une semaine. Ça ne veut pas dire que c'est un pneumo résistant, ça ne veut pas dire que c'est un staph résistant. C'est uniquement parce que la présence du puits dans la plèvre
fait durer ce qu'on appelle l'inflammation et l'augmentation de la température. Et alors, tu as vu, j'ai marqué pour X jours. Je sais pas moi. Je au, veux moins, dire, au moins voilà, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines. Oui, donc, on va voir l'évolution. Donc, voilà, je veux dire que quand il a encore 42 fièvres et une CRP à 130, tu as du mal à arrêter, quoi. Même si tu penses que c'est inflammatoire. Tu... Et même pour le drainage, est-ce qu'il faut ponctionner, est-ce qu'il faut vider? Il est démontré actuellement, même si on ne vide pas, même si on a un hémithorax opaque, le poumon revient à la paroi sans aucun problème au bout de 4, 5, 6, 7 semaines. Et il y a des travaux qui ont démontré ça. Vous avez un poumon opaque et un poumon après traitement qui redevient totalement à la paroi. On ne draine, on ne met un drain que quand il y a un phénomène de compression médiastinale, c'est-à-dire que le médiastin est dévié, soit au scanner, soit à la radio. À ce moment-là, il faut soulager l'enfant. Alors, je reviens sur ça, là, les PCR multiplex nous ont permis d'améliorer. On est maintenant à 80 à 90% de diagnostic, parce que c'est de la ponction pleurale, c'est pas du respiratoire, d'accord? Alors, il y a un point qui est important, c'est la part de streptoa ayant augmenté proportionnellement, et puis à plus, vous avez eu l'épidémie de streptoa comme nous, la part de staph producteur de la toxine de Pantone et Valentine. Dès qu'on a des signes toxiniques, une éruption cutanée, des troubles hémodynamiques, plus rajouter un antitoxinique. Et je crois qu'il n'y a pas la clindamycine. Il n'y a pas de clindamycine. Par contre, il y a du... Oui. Le linezolide a une belle activité. Exactement. C'est pour ça que j'ai marqué. De toute façon, belle activité antitoxinique. Parce que quand vous tuez avec la bêta-lactamine, vous favorisez pendant quelque temps la libération de toxines. Et ces molécules-là qui agissent sur la synthèse des protéines limitent et ont un effet sur cette partie-là. Pas sur le contrôle de l'infection, mais sur ce... Ça va comme rythme ? Oui, c'est bon. Bon. Allez. Non, parce que si je dépasse les trucs, ça ne va pas aller. Bon. Alors, on continue. On va prendre une autre situation. Une situation que nous, on a fréquemment. C'est une cause d'hospitalisation, d'infection grave qui est extrêmement fréquente, c'est les abcès, péri, rétro, pharyngés, etc. Alors là, on est dans une épidémiologie bactérienne où il y a le streptocoque du groupe A, mais pas que. Il y a Fusobacterium necrophorum, dont vous savez qu'elle peut être redoutable en termes d'infection à aboutir à un syndrome de Lemierre. Il y a des autres streptos, hein, qui sont des autres normaux, mais qui ont trouvé, et il y a des anaérobies. Donc, vous trouvez dans cette situation-là. Et là, on revient, vous voyez, on n'a pas utilisé un seul antibiotique difficile jusqu'à présent. Amoxiclav, on augmente la dose et on passe par voie IV. Là, on a un problème de diffusion d'antibiotiques qui ne conduit pas à changer d'antibiotique, mais qui va vers l'augmentation de la dose. Et là encore, vous donnez une durée de traitement, ça dépend beaucoup de l'évolution et ça dépend de temps en temps, on a besoin. Si allergie, vous avez vu, c'est marqué céphotaxime, qu'à chaque fois que je vois marqué ceftriaxone, c'est-à-dire ils n'ont pas regardé, quoi. Et le flagyle. Si suspicion de métière, on rajoute la vanco, on ne l'enlève pas du choix thérapeutique, d'accord. Si toxinique, parce qu'il peut y avoir des formes toxiniques, n'oubliez derrière le linezolide. Donc, vas-y. Non. C'est juste pour mes collègues, c'est que l'amoxicilline pourra suffire pour le strepto, mais vous savez que l'acide clavulanique, il a une action anaérobie, c'est ça son apport dans ces situations. Voilà. Donc voilà, donc on est encore dans des situations où on n'a pas encore utilisé un seul antibiotique complexe et qui représente. Vous allez voir, on ne va pas utiliser beaucoup d'antibiotiques complexes. On va le faire, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, deuxième situation, je ne sais pas si vous en avez au Maroc en ce moment avec le changement de trucs, etc., les mastoïdites. Oui. Alors, on attend à se trouver dans les mastoïdites les germes des otites. Ben non, l'hémophilus, il n'est pas capable d'aller dans la mastoïde. Vous oubliez l'hémophilus. Vous avez deux germes, pneumocoque, streptoa, et attention à l'hémorrhobie, fusobactérium, nécrophorum. Et là encore,
amoxicilline. Et on augmente la dose, c'est pas une question de... Ouais. Et si allergie, céphalosporine, céphotaxie, mais là, je n'aurais pu marquer ceftriaxone. Non, non, mais parce que je sais que très bien, la majorité de mes collègues, ils ont préféré à un certain moment, je me rappelle, j'étais interne chez Abid, il y avait apparition de la ceftriaxone, dose unique, c'était la mode, un gramme, ça coûtait... Les yeux, la ceftriaxone, ça facilitait la tâche des soins. On administrait une dose le matin, on est tranquille, on est sûr qu'on a donné. Mais Robert, il insiste beaucoup sur le céphotaxone pour des raisons pharmacologiques, pharmacocinétiques, essentiellement l'apport très positif, la bactéricidie, à son apport de bactéricidie. Les concentrations exactement. Et vous voyez, les aminosides n'ont aucun rôle. Ils vont en avoir après, beaucoup. Mais là, ils n'ont aucun rôle. Vous ne gagnez rien. Ce n'est pas actif sur le strepto. Ce n'est pas actif sur le pneumo. Il n'y a pas de synergie réelle. Alors, j'aurais pu marquer ceftriaxone ici, parce que pneumocoque SGH, c'est quand il y a du staff qu'il faut privilégier le céphotaxime à la ceftriaxone. La question que j'ai, vous dites céphotaxime supérieur sur le plan pharmacocinétique dynamique. Du staff. Sur le staff par rapport à la ceftriaxone. Absolument. Sinon... Je veux savoir de combien. Oh, ça n'a rien à voir. Je vais te le dire. Parce c'est simple ou double. Je vais te dire de combien. Quand tu prescris de la ceftriaxone sur un staff, il est sensible à la ceftriaxone, tu es au maximum dans le sang entre 7 et 10 fois la CMI. D'accord ? Pour une infection grave... Quand tu prescris du céphotaxime, tu as 50, 60, 70 fois au-dessus de la CMI. Et puis, tu sais que tu ne peux pas augmenter aussi facilement ça que les doses de ceftriaxone. Le céphotaxime, tu peux l'augmenter à 200, 300 mg kg. J'ai réussi à vous faire oublier les aminosides pour l'instant ou pas ? C'est sûr que le pneumo, il y a certains germes qui vont imposer la bithérapie, il y a certains germes qui n'imposent jamais. On va arriver. Voilà, exactement. On va arriver à la bithérapie, ce n'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe la bithérapie. Mais Robert, si tu permets, en dehors de l'antibithérapie, il y a un petit détail qui va un peu guider la durée de l'antibithérapie dans les automastéoïdites. Est-ce qu'il y a une atteinte de la mastoïde ? Est-ce qu'il y a de la lyse ou non ? Oui. Lorsqu'il y aura de la lyse, nous serons obligés de prolonger plus bien sûr la durée de traitement et par voie IV. Et est-ce que tu as vu comme je n'ai pas donné durée de traitement ? Tout à fait. Comme tout à l'heure, parce que c'est des choses qui se traitent au cas par cas. Je n'aime pas dire 5 jours. Je peux dire sur l'angine, je peux dire sur la pneumonie, je peux dire sur l'otite. Là, je ne peux pas dire. C'est la clinique qui va vous donner quand il est bien depuis plusieurs jours. La CRP s'est normalisée, tout est normalisé. On s'en va. Donc, vous voyez, on part de sujets quand même assez simples, mais qui peuvent être graves. Alors, les méningites bactériennes, ça n'a pas changé. Hein. Pneumocoque, méningocoque, HIB, je ne sais pas si vous avez une petite remontée de HIB, mais nous, on a. Hein. Alors, le streptocoque du groupe B augmente la place, même en dehors de la période néonatale. Il bave sur les petits des premiers mois de vie. Et puis, Escherichia coli, c'est surtout des petits. Et puis, la listeria, franchement, il y en a très peu. Alors, la question qui se pose, c'est le pneumocoque ayant des CMI plus élevés que le méningocoque, donc la posologie est supérieure. Et pour tous les autres, 200 mg, les CMI sont basses, le PKF est défavorable. Vous ne voyez pas une seconde les aminosides dans les méningites. Historiquement, il faut dire ces papiers, ça n'a aucun effet sur les méningites. Vas-y, vas-y. Les aminosides d'emblée, c'est à éviter. En dehors de la période néonatale, peut-être certains germes qui vont imposer de rajouter de l'amino, parce que le risque, c'est quoi ? Ça diffuse très mal, hein, et du ça va augmenter le risque neurosensoriel. Absolument. Avec les méningites. Moi, je reviens à l'antibuthérapie. Malheureusement, le céphotaxime, on ne le trouve plus dans nos hôpitaux. Il n'y a plus de céphotaxime ? Honnêtement, okay, voilà. Parce que les gens ne le demandent plus. Donc, la réalité des choses, du terrain. Je n'ai aucun problème avec la ceftriaxone dans cette situation. La ceftriaxone, il faut commencer posologie le premier jour. Ouais.
et même le deuxième jour, on même si on vous dit une dose. Et vous montez à quelle dose? Il faut faire deux doses. On peut monter à 250 mg. Attention, au-delà de 200. Au-delà, attention. Il y a le risque. Voilà. Voilà. Et donc, non. Mmh. Alors là, excusez-moi, j'ai marqué céphotaxime parce que nous, il nous semble que c'est des molécules qui sont plus maniables en nombre de doses qu'en nombre de, en posologie. Mais s'il n'y a pas, j'ai aucune arrière-pensée avec la ceftriaxone sur ce point. Et puis si sur les ménages, il n'y a pas de staff. Si tu permets, la différence que je vous ai donnée, c'est le staff et le nouveau-né. Micro. Merci beaucoup, professeur Robert, pour cet excellent exposé. Je reviens à l'histoire de la céphotaxime. Effectivement, on n'en a plus depuis très longtemps. Le deuxième point que je discutais avec mon collègue, je pense que vous parlez de 3 mois et plus. Pour tout ce que vous dites, je pense que c'est important pour l'assistance parce que les moins de 3 mois sont assimilés au nouveau-né, donc il y a des particularités, il y a des indications, il y a beaucoup de bithérapie, comme vous savez. Et le troisième point concerne notre réalité du terrain, qui fait que lorsque vous mettez la céphotaxime, même si elle existe, c'est une hospitalisation parce que c'est 3 doses par jour. Une hospitalisation, ça a un coût. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, je voudrais juste insister. La différence céphotaxime, ceftriaxone, c'est le staff. Vous avez le staff en arrière-pensée. Ce n'est pas un bon anti-staff, d'accord? Et c'est la possibilité d'augmenter plus ses doses. En dehors de ça, il n'y a aucune différence microbiologique. Il n'y a que des avantages à la ceftriaxone. Et on va le voir après. En attendant qu'il va prendre la part. La méningite égale hospitalisation, on ne discute pas. On ne discute pas. Nous, on parle de la méningite maintenant, s'il vous plaît. On parle, pour clarifier les choses, on parle des méningites bactériennes, méningite égale hospitalisation. Robert, dans toutes tes diapos, on voit le rôle de la multiplex. Je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici comme en disant que la multiplex fasse partie des examens, vu que c'est un examen qui est très coûteux. Et je ne veux pas que nos... J'arrive à ça. Je vais parler de la multiplex dans 3 endroits. Dans toutes les autres, elle ne nous sert à rien. Voilà. Bon. Le LCR, c'est quand même très confortable sur du LCR d'avoir une multiplex. D'accord. Oui, je sais. Les selles, parce que ça coûte particulièrement peu cher, la multiplex dans les selles. Alors, il y a 2 multiplex. Soit, comme dans le LCR, tu as cassette unique pour ton malade. Là, ça coûte plusieurs centaines d'euros. D'accord. Soit, tu as la multiplex qui passe en panel avec 50, 60, 70. Et là, tu arrives à des coûts qui sont inférieurs à 20 euros, largement inférieurs à 20 euros. D'accord. Alors, quand je parle une méningite, alors je vous ai mis des points de repère. Quand vous n'avez pas de germe direct, est-ce que vous faites confiance au vogramme ou pas? L'examen direct ou pas? Bon, quand il n'y a pas de germe direct, 80% de chances que ce soit du méningo. D'accord. Quand vous avez des germes directs et pas de réaction, mais il a quand même une méningite parce que ça va pousser, c'est encore du méningo. C'est plus grave, etc. Et puis, nous, quand on n'a pas de cause, on a une multiplex. Sinon, on ne s'en sert pas comme ça. Je veux dire, c'est... Voilà. C'est très, très... Et tu verras, plutôt, c'est dire non, on ne fait pas. Il faut... Ça a utilisé avec beaucoup de présence. Alors... Dans les méningites, c'est en hospitalisation, comme l'a dit Sibouz Kraoui. À l'hôpital, il y a ce qu'on appelle des services de microbiologie qui connaissent très bien la PCR. Ils font l'examen direct, ils font la culture et ils peuvent même faire de la PCR pour rattraper ceux qui ont l'examen direct négatif, la culture négative. La multiplex, c'est autre chose que l'on demande à un laboratoire qui vient, qui prélève que. Dans le LCR, si vous avez un agent, une bactérie, je ne sais pas, dans le LCR, comme c'est un liquide qui est noble, qui ne peut pas être contaminé, donc là, c'est... Ça, quand même, ça vous aide à avoir un diagnostic. Mais si vous avez l'examen direct, la culture positive, ou la PCR maison d'un hôpital positif, ce n'est pas la peine d'aller vers le multiplex. Multiplex, chez nous, dans le libéral, dans les cliniques, parce qu'on n'a pas de grands laboratoires qui peuvent te dire exactement ce qui se passe dans le LCR, c'est pour ça qu'on demande le multiplex.
Dans le respiratoire, moi, je ne fais pas de multiplex. Même dans les cas dramatiques graves hospitalisés. Dans la diarrhée, là aussi, je ne fais pas de multiplex. Ça n'existe plus dans la diarrhée à Casablanca. Multiplex pour les gars santé, ça n'existe plus. À Marrakech, et grâce au professeur Nabil Assoura qui a fait beaucoup d'efforts, il a fait une présentation. Parle dans le micro. Hier, je vous assure qu'il a changé notre vie. Au CHU de Marrakech, on fait la PCR. Avant, jadis, on recevait beaucoup de LCR, bactéronégatif, culture négative, même l'examen direct, ou bien s'il a reçu d'antibiothérapie. Dernier message, c'est que dans notre épidémiologie marocaine, s'il vous plaît, pas de vancours en première intention. Pas de vancours en première intention. Vas-y, Robert. Alors, donc là, je vais parler des ostéomyélites et la révolution de l'ostéomyélite. Je n'ai pas bien suivi tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y avait la recherche de Kingela Kingé. Et là, il ne faut pas raconter de conneries. Hein. C'est la PCR ou rien. D'accord ? S'il n'y a pas de PCR, jamais on voit Kingela Kingé. Il faut des milieux spéciaux trop compliqués. Kingela Kingé, c'est le moins de 5 ans. Ils ont généralement une CRP basse. C'est rare qu'ils dépassent 30. D'accord ? Le tableau clinique est peu fébrile. Et c'est très, très sensible aux antibiotiques. Là encore, on se retrouve Staph aureus, et de temps en temps, il y a du streptoa, de temps en temps, il y a du pneumocoque. Ça ne change rien à notre choix. Amoxiclav, céphazoline, ce qui est une CRG de première génération, hein, qui est truc. Et puis les relais, c'est amoxiclav, céphalexine. Quand il n'y a pas de suspicion de métière, mais si on suspectait un métière, dans le communautaire, c'est plus rare. Eh ben, on rajouterait la vancomycine et on ne remplacerait pas. Maintenant, si c'est métière affirmée, on n'en parle plus. Alors, donc là encore, vous voyez, j'ai pas, là, on n'est pas dans du multiplex hein, pour Kingela Kingé. C'est la PCR de Kingela Kingé. Alors, qui dans la salle a fait le diagnostic d'une arthrite, ostéoarthrite, ostéomyélite, Kingela Kingé? Nous, on le cherche en. À Casablanca, avec qui je travaille, on n'arrive pas à l'avoir. Alors, est-ce qu'il y a un problème de laboratoire? Oui, oui. C'est, nous aussi, hein, pendant des années, à Créteil, on n'avait pas un Kingela Kingé, parce que les milieux de culture n'y vont pas. La PCR dans le sang n'a pas beaucoup de valeur. C'est la biopsie, ou la culture articulaire, la PCR qui est positive dans 70-80% des cas. Ça existe au Maroc pour les gens qui vont dire que ça n'existe pas au Maroc. Mais c'est le monde entier est pareil. Hein. Il faut chercher les choses. voilà. Parce que lorsqu'on a fait les recommandations sur les infections osteoarticulaires que vous pouvez télécharger sur le site Somipev, Kingela Kingé existe au Maroc. Et bien sûr, et le traitement, ça change tout. Hein? Vas-y, Robert. Donc voilà, donc, on a mis les posologies. Vous voyez, là encore. On a fait un tour de pathologie assez... Et on est resté à des antibiotiques extrêmement simples. Alors, on va devenir un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on va s'attaquer aux bacilles à gram négatif, aux entérobactéries. Et c'est celle-là dont la résistance a explosé partout, et en particulier, et notamment au Maroc, je ne veux pas dire en particulier. Alors, il est rare d'avoir... Une pathologie dans laquelle 80% des infections, c'est le même microbe, c'est Escherichia coli. 80%. Si vous n'avez pas d'Escherichia coli, ça doit vous inviter à chercher encore plus une neuropathie sous-jacente. C'est à peu près, il n'y a qu'Escherichia coli qui est capable de monter le long des voies urinaires pour donner des infections. Les autres n'y arrivent pas et il faut souvent une association. Et on se retrouve dans une situation, je ne sais pas quel est le chiffre au Maroc de BLSE dans les infections urinaires, tu vas nous le dire la prochaine fois à la SOMIPEV. C'est aux alentours de 10%, mais le travail reste en cours qui se prépare, un travail prospectif multicentrique pour les recommandations du mois de décembre. On verra exactement, parce que c'est vrai, travailler sur des dossiers rétrospectivement, c'est difficile, comme tu le sais, de distinguer entre souillure et infection urinaire authentique. Impeccable. Ouais. Donc, attention, donc il y a 10% de BLSE et il ne faut absolument pas prescrire de PNM. C'est une BLSE, le meilleur antibiotique, c'est la PNM, mais on ne prescrit pas ça. Qu'est-ce qu'on peut prescrire? D'accord?
On peut prescrire, c'est une petite fille, c'est un syndrome de cystite, d'accord ? Il y en a pour ceux qui ont envie, là, bon. Le meilleur antibiotique, c'est amoxiclav, même si c'est BLSE. Les concentrations urinaires d'acide clave sont tellement élevées qu'elles vous guérissent 100% des cystites à Escherichia coli BLSE. Donc c'est très important de vérifier d'où elles viennent. D'accord. Le même principe pour le cotrimoxazole, parce que finalement, même le cotrimoxazole, nous avons une souche sur deux qui résiste au cotrimoxazole pour l'infection urinaire de l'enfant au Maroc. Oui. Ouais. Et dans les urines, ça suffit. Et le céphixime, pas tout à fait pareil, mais bon. Maintenant, votre enfant, il est à risque. Pourquoi ? Parce que c'est une infection urinaire fébrile ou parce qu'il a une uropathie ou il a d'autres facteurs de risque ou c'est un tout petit. Voir apparaît amikacine. Seul. Seul. L'amikacine seule suffit pour traiter les infections urinaires BLSE en une seule injection par jour pour 4 à 5 jours de traitement. Et il n'y a aucun impact écologique. Alors là donc, aussi, j'ai une question à la salle. Qui traite l'infection urinaire par de l'amikacine seule ? Amikacine. On a tous le réflexe C3G. Ouais. Infection urinaire. Ouais. C3G. Alors, la différence entre C3G et amikacine, l'amikacine, c'est une seule injection par jour. Normalement, ça peut se faire en IM, mais bon, oublions. Nous, on leur met un petit cathéter. Et ils reviennent tous les jours faire leur injection d'amikacine sur 30 minutes et ils retournent chez eux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est celui dont vous avez la certitude qui marche sur les BLSE. Hein, 97%, on se rapproche, pas de Dieu, mais de la certitude. Voilà, il n'y a pas de diffusion dans le tube digestif. C'est ça qui est merveilleux. D'accord ? Amikacine seule. Sinon, il n'y a pas photo entre la ceftriaxone et le céphotaxime. Il faut faire de la ceftriaxone. Il n'y a pas de problème. Une seule injection par jour versus 3, c'est de la folie. Ça peut se faire. Ou le céphixime. Rappelez-vous que ces deux molécules ne marchent pas sur les BLSE. Et vous n'avez pas encore l'antibiogramme quand vous prescrivez. Ou voilà. Et puis après, on ne peut pas continuer la vie avec ça. On ne va pas les traiter. Il n'y a pas de traitement court des infections urinaires à risque. Donc on est encore à une dizaine de jours de traitement. On prend le relais par le cotrimoxazole quand la souche BLSE est sensible. C'est le moins d'impact écologique. C'est la cotrimoxazole. Ciprofloxacine, je parle BLSE, hein, il y a 30% des souches. Et l'amoxiclav, plus, j'ai oublié, excusez-moi, le céphixime, c'est un traitement remarquable. Hein, peut-être que je raconterai à la fin, si on a le temps, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, cette histoire-là, parce que c'est trop important. Donc vous voyez, il manque quelque chose. Hein, c'est amoxiclav plus céphixime. Il nous reste 15 minutes. Oui, on est bien. Puis on arrête, comme il y a des gens qui posent des questions. Oui. Le micro. Amoxicilline, céphixime ? Les ? Alors, je n'ai aucune bithérapie avec les aminosides, sauf les moins de 3 mois. Il n'y a pas de nécessité de bithérapie avec un aminoside. Ça marche très bien. C'est toxique, pourquoi les aminosides ? Quand on vous dit c'est toxique, pourquoi ? Les oreilles et le rein. Et quand c'est toxique, à votre avis, c'est pourquoi ? Parce que les concentrations sont fortes. Avec 5 jours d'aminosides, vous avez plein de jours de traitement parce que ça se concentre dans le rein. Et vous faites des traitements suffisamment courts pour que ça ne soit pas toxique. Et puis Robert, en plus, il y a l'effet post-antibiotique des aminosides, la concentration des aminosides au niveau des ribosomes de parenchyme. Depuis quand tu m'appelles monsieur Depuis quand il m'appelle monsieur, d'habitude, il me... Non, pas du tout. Vas-y, Robert. Robert, s'il te plaît, dans tes présentations, tu parles uniquement de l'amikacine, pas de l'agenta. Non, pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse différence pour les BLSE. Il y a 30 à 40% de souches qui sont résistantes à l'agenta pour 3% à l'amikacine. Hein ?
L'agenda s'active sur 60% des BLSE et 99% des non-BLSE. Alors, la durée de traitement, je vais te répondre, après je te donne. La durée, on ne dépasse jamais 5 jours de traitement, quel que soit... Alors, il est sûr que chez les plus grands, on a plus de temps, on n'est pas obligé d'utiliser des voies IV, etc. Mais le nourrisson de moins de 2 ans qui a une infection urinaire fébrile, etc., on va utiliser ça. D'accord. Vas-y, je t'ai interrompu. On ne dépasse jamais 5 jours, hein, je t'ai répondu. Hein. Parce qu'après, tu vois la toxicité. Hein. Je te crois tout à fait quand tu dis, même sur un BLSE, que l'amoxicilline protégée marche très bien parce qu'elle a des taux de concentration très très élevés. Mais c'est difficile, je t'assure, des parents qui ramènent un antibiogramme où c'est marqué résistant et de le prescrire quand même. Et donc, il faut d'emblée passer dans ce genre de situation. Voilà. Un autre antibiogramme. Donc, tu as aujourd'hui, quand on rend un antibiogramme en France, tu as les deux seuils. Bon, donc il faut expliquer ça, on dira, parce qu'il y a un... Et la deuxième chose, avant c'était très compliqué de tester cefixime plus acide clave. Tu ne testes plus, tu regardes pipetazo. Si la souche est sensible à pipetazo, c'est qu'elle est sensible à l'association. On a fait des études avec des centaines de souches. Voilà. Pipetazo, je dis, madame, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on continue par voie IV, qu'on fasse quoi? Et vous allez voir, ils vont aller très bien, vos enfants. Non, mais le nombre d'enfants qu'on a traités par ça, on n'est pas à 10, on est à des dizaines de milliers, tu vois. Voilà. Malainé. Oui. Robert, tu donnes à Malainé. Ce protocole, à partir de quel âge? Parce que ce n'est pas pour le nouveau-né. Non, ce n'est pas pour le nouveau-né, c'est pas moins, pour moins de 3 mois. Cela, on fait céphalosporine plus amikacine ou aminoside ou gentamicine. Voilà. Mais dès qu'ils ont 3 mois, c'est ça qu'ils ont. Alors, je me dis à moi-même diapo suivante, donc ouais. Je vais y aller. Non, on ne dépassera pas une minute. Alors, voilà les vrais amis et les faux amis. Les faux amis, c'est là, et les vrais amis, c'est là. Ouais. Alors, c'est PCR multiplex. Quand on fait une PCR multiplex dans un milieu comme les selles, il y a des dizaines et des dizaines de germes et de virus, de bactéries et de parasites. Quasiment toutes ne sont pas à traiter. D'accord ? Elles vous donnent éventuellement la cause de la diarrhée. Et encore, quand vous avez du rotavirus ou un Entamoeba euctenica ou Giardia, c'est probablement ça qui a donné votre diarrhée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité, voyez en rouge, ne sont pas à traiter par antibiotiques. Donc, si on voit un résultat comme ça, surtout, vous vous dites, qu'est-ce que je cherche? Et qu'est-ce que je cherche? C'est exactement comme avant. D'accord? C'est-à-dire, les germes qui vous intéressent, c'est les shigelles. D'accord? Et ça, la PCR gagne un temps fondamental pour diagnostiquer les shigelles, et c'est plus sensible que la culture. Quand vous avez une shigelle, c'est là une shigelle. Le deuxième germe, c'est campylobactère. On ne sait pas bien pousser campylobactère. La PCR vous donne le résultat en quelques heures. Donc, vous avez votre résultat. Donc, vous savez, les salmonelles, pas davantage. Hein. Ça pousse bien, d'accord. Escherichia coli entérohémorragique, on ne savait pas les dépister. Yersinia, on était très mauvais. Mais je voulais arriver, on est à l'antibiothérapie. C'était pour vous attirer. Il y a plein de trucs qui ne servent à rien, mais tu peux gagner du temps pour les shigelles et les campylobactères. Et vous voyez, il y a finalement un antibiotique qui s'impose. C'est l'azithromycine. D'accord? Alors, ce n'est pas facile à tester in vitro. Hein. Tu me posais la question, le laboratoire ne va pas te tester facilement. Mais la résistance au quinolone augmente de façon exponentielle, et il nous reste l'azithromycine, je ne sais pas pour combien de temps. Mais voyez donc ce contraste entre un truc qui te donne plein de positifs, mais qui ne sont pas à traiter, quelques avantages de vitesse de diagnostic et de sensibilité
du diagnostic. Robert, s'il te plaît. Oui. L'azithromycine, c'est le seul macrolide qui nous reste ici au Maroc actuellement, depuis 2 ans. Ben oui, mais il est utilisé largement par les pédiatres. Tous les pédiatres, les médecins généralistes. Moi, honnêtement, je prescris l'azithromycine. Et pendant les années Covid, on l'utilisait à tous les malades Covid. Est-ce que cette azithro aujourd'hui, elle garde ses effets? Encore une activité. Alors, ce que je peux te dire en France, c'est qu'elle... C'est que sur les shigelles et les campylobactères, elle est encore active à plus de 99%. Mais je ne peux pas te dire au Maroc qu'on a utilisé moins d'azithromycine. On est moins près de Marseille que vous. Hein. Attends, Robert. Faut pas déconner quand même. Marseille, c'est la première ville africaine. Hein ? Marseille, c'est la bien première sûr, ville d'Afrique. Bien sûr. Non, mais, c'est mais, la porte d'entrée de l'Afrique. Robert, je rejoins Abid dans la réflexion sur l'azithro. Il y a de l'énorme automédication pendant le Covid, et puis ça n'a pas beaucoup diminué par la suite. Et nous devons normalement, nous les Marocains, faire un travail sur l'azithro, parce que la résistance, même dans les infections respiratoires à mycoplasme, les travaux qui émanent de Taïwan, de la Chine et tout ça, la résistance... Si tu ne la testes pas, hein, tu ne sais pas. Hein. Alors, ouais, c'est pour ça que vous verrez dans toutes les recommandations françaises, et je peux dire que j'ai mis ma plume pour toutes celles qui concernent les antibiotiques, on met toujours la clarithromycine avant l'azithromycine, sauf dans le digestif. Hein ? Oui, je sais, mais nous, on avait la josacine, on avait trucs. Maintenant, les lois du marché font que on a clarithromycine et azithromycine. Alors, je termine par ça, parce que on va laisser de la discussion. Il y a plein de questions. Attends, je te réponds, je te promets. Je ne peux pas ne pas te répondre. Attends. Je viens à toi. Il faut que tout le monde entende la question. Donc, question pratique. Par expérience, les enfants qui sont hospitalisés pour infection digestive invasive, ils ont vraiment une intolérance digestive très importante. Et l'azithromycine, ce n'est pas le meilleur traitement qu'on peut donner par voie orale. Donc, quelle est votre facilité pour passer à la cipro, vu l'âge ? Alors, tu oublies les campylobactères. Mais la ceftriaxone... Et la ceftriaxone n'est pas le céphotaxime, marche sur les salmonelles et les shigelles jusqu'à 95%. Moi, quand ils sont hospitalisés pour une salmonelle, ils ont de la ceftriaxone. Voilà. Et je n'ai pas besoin de quinolone. Je termine par cette... Il nous reste 5 minutes. Monsieur Olivier Clarisse, pardonnez-nous, nous avons pris la table 10 minutes après. Donc, on vous donnera la parole dès que possible. Vas-y, Grand. Mais... J'ai tellement de respect pour Olivier que je vais même lui donner avant. On va gagner 8 minutes. Alors, dans les infections digestives, on a souvent ça. Hein, c'est que l'épidémiologie bactérienne, tout le monde la connaît. C'est les flores qu'il y a dans le tube digestif. C'est-à-dire ce qu'on appelle les entérobactérales. On ne dit plus entérobactéries maintenant. Ça a changé. Dont Escherichia coli. Les anaérobies, dont Bacteroides. Et puis après, vous pouvez voir... un petit peu n'importe quoi, d'accord ? Là encore, on se trouve dans la résistance de BLSE, mais il faut épargner les PNM. Elles sont BLSE, mais on ne va pas prescrire de PNM. Mais ça ne va pas être un aminoside, d'accord ? Attention, et donc maintenant, il faut toujours jamais oublier que le plus important, l'antibiothérapie, je n'ai pas dit de prescrire, c'est les gestes chirurgicaux. Ça me révolte les appendicites traités par antibiotiques sans chirurgie. Ça me révolte parce que dans un pays où la résistance aux antibiotiques elle est si élevée, voilà. Donc, et surtout que maintenant, il passe par là. Ça, voilà. Donc, bien entendu, si on suspecte un BLSE ou un sepsis, c'est pour passer la parole derrière, on a aucun temps à tremble. C'est les PNM. Sepsis égale PNM dans ce cadre-là, hein, puisque on est dans l'entérobactérie possiblement belle. Mais sinon, quand ils sont une forme modérée, l'appendicite, il y avait un peu de pus dans le porritoine,
Le chirurgien fait son travail, on continue avec l'amoxiclav quelque chose. C'est plus important, c'est 3G métronidazole. Et là, je n'ai aucune différence entre l'un et l'autre. Et quand je suspecte une BLSE, c'est pipétazo qu'il faut prescrire. Parce que pipétazo est actif sur 80% des BLSE, mais il ne faut pas que ce soit des infections trop graves. Il faut faire 4 injections par jour, par 3, il faut faire de fortes doses. Et là, tiens, on arrive à une association, finalement. Mettre de la micacine avec, ça aide. Épargner les PNM. Vous avez vu tout ce que... Alors, je vais m'arrêter là parce que... Pour laisser 3 minutes de questions... Vas-y. Parce qu'il y en a plein. Hein? Vous voulez que j'aille un peu plus loin? Non, vas-y, Robert. Ou les questions? Vas-y, Robert. Les questions. Les diapos, je vous les laisse. Et j'ai tout expliqué comme ça, avec tous les impératifs, etc. Les questions. On nous reste 2-3 questions dans la salle. Oh, on a encore 4-8 minutes. Hein. Oui. Pas de questions? Ouais, voilà. Ah. Je n'ai pas fait de sport ce matin. Bonjour, merci pour votre exposé. Ma question pour les infections urinaires, à partir de quel âge, sans uropathie malformative, on est obligé de faire la voie orale, la voie injectable? Vous avez dit, normalement, on sait qu'à partir de 3 mois, moins de 3 mois, c'est la voie injectable, la bithérapie. Oui. Tout à l'heure, vous aviez dit 2 ans. Maintenant, par exemple, un nourrisson de 18 mois, sans uropathie malformative, une cystite simple, est-ce qu'on est obligé de faire la voie injectable? D'accord. La réponse est oui. D'accord. Quand il a des facteurs de risque importants, il faut commencer par l'injectable. Oui, moins de 2 ans. Le cefixime tout seul ou l'amoxiclav, c'est vraiment des gens qui sont à faible risque. OK. L'antibioprophylaxie dans les uropathies malformatives. Alors, on a réduit de beaucoup, beaucoup, beaucoup les indications. D'accord, parce que ça génère plus d'infections résistantes. Il y a quand même des reflux de grade 5, celui qui récidive tout le temps, à qui on prescrit. La molécule, la seule qui ait prouvé son efficacité, c'est le Bactrim ou le Trimétoprim. Nous n'avons pas de Trimétoprim tout seul en sirop. Ne jamais prescrire de CINGO au long cours, surtout pas de l'alphatil, d'accord, parce que ça génère des pio et ça génère... d'autres résistances. Et franchement, moi, je suis plus aujourd'hui, en dehors des formes majeures où l'urologue me dit celui-là, il lui faut le diagnostic précoce et le traitement précoce. Ils ont tous des bandelettes urinaires. Et dès qu'il y a le moindre épisode fébrile, dès qu'il y a la moindre urine qui leur fait truc, on fait la bandelette urinaire. Parce que ce qui compte, c'est la précocité. Oui. Si tu permets, Robert, déjà, le cotrimoxazole, il y a un taux de résistance qui dépasse 50%. On recommande de donner des doses un peu subinhibitrices. Ouais. Ouais. Et je pense qu'il y a un grand débat maintenant qu'il faut, tu es d'accord avec moi, qu'il faut laisser tomber cette antibioprophylaxie, sauf le débat chez les néphropédiatres qui disent que, sauf le reflux avancé, grave, etc. Exactement. Et puis qui ont beaucoup récidivé, puis qui ont une fonction rénale un peu limite, etc. Cela, mais... Je peux dire qu'on a réduit de 90% les antibioprophylaxies. Exactement. OK, vous avez des bandelettes urinaires, il a de la fièvre. Ouais. Vous faites la bandelette, le CBU. Tout à fait. Venez. Autre question? Okay. Autre question? Oui, allez-y. Ah, hop. Excuse-moi, Robert. Merci. Pour la pyélonéphrite non BLSE, est-ce que la bithérapie C3G aminosite n'est plus de mise? Non, elle n'est plus de mise. Sauf pour les moins de 3 mois. Et ça reste une habitude. Je ne suis pas sûr que les études arrivant, dans 2 ans, on a montré que cefotaxime, c'est égal à cefotaxime pour Jantin. Mais pour l'instant, dans les recommandations, ça reste. Il faut des études pour bouger les recommandations. Chaque fois qu'on a bougé, c'est qu'on avait des études. Par exemple, on a une superbe étude avec l'amikacine en monothérapie sur plusieurs centaines de malades, et on peut vous dire que ça marche. Pas uniquement l'association. Un seul antibiotique, et même maintenant le cifixime péros, il paraît que ça marche aussi bien que. Dernière question et on termine. Dernière question. Non, je m'excuse. Pardon pour le staff. Est-ce qu'il y a encore une place pour la PNM? Parce qu'on n'a pas entendu ce. Alors, les PNM,
donnes par voie IV, ce sont d'excellents antistaphs. C'est des antistrepto un peu plus médiocres. Ça marche quand même. Hein. Mais par contre, tu ne peux pas passer aux formes orales. Parce que les formes orales de PNIM n'ont pratiquement pas de concentration. Tu fais un enfant 200 mg kilo d'oxa, tu vas avoir 150 de concentration sérique. Tu nous donnes Perros, tu as 3. Tu crois que tu as utilisé la même molécule. C'est à oublier. Nous devons applaudir fortement notre ami